Merci, ma sœur, pour que le Seigneur te bénisse, de nous avoir signalé qu'il n'y a pas de son, que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman Flore. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà, nous commençons notre temps de prière. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui est déjà connecté en ce moment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous dans vos maisons. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu puisse vous communiquer la paix, la vie et la joie partout où vous êtes. Mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur, ce Dieu-là, qui nous a bénis, qui nous a fortifiés, qui a ouvert pas mal de portes pour nous. Que son nom soit élevé. En ce moment que nous commençons notre prière, nous bénissons tous ceux-là qui sont en train de partager le lien. C'est tellement bénissant quand tu partages le lien, que le Seigneur puisse le compter, alléluia, dans son royaume et qu'il puisse te bénir. La Bible déclare que notre Dieu n'oublie pas un bienfait que nous faisons pour le saint. Soyez richement bénis, soyez richement fortifiés, que le Seigneur vous ouvre beaucoup, 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 beaucoup de portes de grâce. Alléluia. Nous voulons louer l'Éternel Dieu parce qu'aujourd'hui nous aurons le temps de parler, le temps de partager la parole de Dieu ensemble, nous donner quelques conseils pour que nous puissions voir beaucoup de bonnes choses dans nos vies évoluer, dans notre foi évoluer, parce que des fois nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, mais nous ne voyons pas de réponse dans la plupart des cas parce que nous prions mal et surtout quand nous prions sur Internet. Bon nombre de personnes ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu, ne connaissent pas ton témoignage, ne connaissent pas d'où tu viens. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité aussi faire mon témoignage d'où je viens, qui je suis dans la foi, comment est-ce que le Seigneur m'a appelé. Que le Seigneur vraiment bénisse chacun de nous, qu'il vous bénisse abondamment, vous qui êtes en train de partager ces moments. Alléluia, que le Seigneur vous le restitue au centuple. Nous bénissons tous ceux-là qui intercèdent pour ces ministères, pour le Pogoche, ici en Suisse, et ceux qui sont partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes en train de faire. Je vous assure que le Seigneur écoute réellement vos prières et il nous bénit abondamment. Par la grâce de Dieu, cette semaine, nous allons explorer la terre de Lucerne et des Aarau, pour voir comment est-ce qu'on peut implanter une nouvelle paroisse à la gloire de notre Dieu. Nous ne combattons pas contre la chair, nous ne cherchons pas notre gloire, nous cherchons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment tous les intercesseurs. D'ailleurs, si tu veux t'enregistrer, t'enrôler en tant qu'intercesseur, ne te retiens pas, tu as raison de pouvoir te rejoindre à nous, pour qu'ensemble nous puissions continuer à intercéder, à travailler à la gloire de notre Dieu. Soyez richement bénis tous les intercesseurs partout où vous êtes. Soyez richement protégés partout où vous êtes. Que vos maisons, que vos familles, que vos enfants soient bénis. Que tout ce que vous faites soit réellement, alléluia, protégé par le sang de l'agneau. Nous rendons aussi gloire à Dieu pour tout cela qui ça donne aux techniques. Nous avons aujourd'hui l'équipe de Papa Boni avec les deux Manuels, le Sadi et l'autre Manuel, le mari de Papa de Maman Micha. Il y a les autres qui sont là, Papa Charles et consorts. Nous vous remercions, Papa Boni, avec ton équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le travail que vous faites, c'est un travail riche, c'est un travail qui enrichit beaucoup de personnes, qui bénit beaucoup de personnes, qui bénit beaucoup de familles. Vous abandonnez parfois vos lits à 5 heures, à 4 heures, à 2 heures, pour que vous puissiez mettre en ordre tous ces matériels que nous utilisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez toujours, alléluia. Depuis que nous avons commencé, j'ai des personnes que j'ai toujours vues. Alléluia, que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Rassurez-vous que les noms que moi je vois toujours défiler, les noms que je vois le matin, à midi, le soir, ce sont des noms que je prends toujours dans mes sujets de prière quand je monte sur la montagne. Présentez ton cas devant le Seigneur, présentez ta situation devant le grand roi.
N'hésitez pas de m'appeler. Je ne suis pas compliqué. Mes appels n'écoutent pas. Tu peux m'appeler n'importe quel. Les dimanches, hier, quelqu'un m'a réveillé. Non, le samedi ou les dimanches, oui. Quelqu'un m'a réveillé à quelle heure? Je crois à 6h, à 5h du matin. Donc, papa, j'ai besoin de prière. Moi, je suis là pour vous. Le Seigneur m'a oint pour que je puisse faire l'œuvre du ministère. Donc, sentez-vous toujours libre de pouvoir appeler quand il y a un problème. Donc, toi qui as toujours été présent, continuez à être présent. Mais vous savez, moi, je conseille toujours au peuple de Dieu d'être fidèle à vos églises locales, là où vous êtes. Tu es peut-être en Angleterre, tu es peut-être en France, tu es peut-être en Belgique. Moi, mon souci, pendant que tu me suis, c'est que tu reçois de moi, que tu l'amènes dans ton église locale pour épauler l'homme de Dieu qui est mon frère, l'homme de Dieu qui est ton pasteur là sur place, pour que le travail puisse aller de l'avant. Donc, laisse-moi te dire que suivre la prière sur Internet n'est pas une église. Hein, ce sont des connexions, donc ce n'est pas une église, ce sont des connexions, mais c'est très très important que tu continues à servir ton Dieu dans ton église locale. Et j'aimerais dire à tous ceux-là qui suivent, n'importe qui, en tout cas qui que ce soit, sachez-le bien que personne, disons sur les réseaux sociaux, ne peut t'aider comme ton pasteur, parce que ton pasteur est là à côté de toi. Quand il y a deuil, c'est lui qui sera là. Quand il y a mariage, c'est lui qui sera là. Quand il y a un anniversaire, c'est lui qui sera là. Quand tu es peut-être à un problème, que tu as besoin d'un secours au plus vite, c'est lui qui est présent. Donc, je respecte le ministère pastoral. Je respecte tout le pasteur partout où vous êtes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous êtes en train de faire. Et je demande à tous ceux-là qui prient avec moi de pouvoir aider leur pasteur partout, hein, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, maintenant, nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ces moments parce que j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions parler ensemble, que nous puissions mettre beaucoup de points au clair pour que nous puissions avancer dans le jour très prochain. Élève ta voix, rendez gloire à Dieu, prions tous au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, nous venons te rendre gloire, nous venons t'élever pour ton amour, pour ta puissance et pour ta grâce, nous venons Seigneur te dire merci pour ta droite triomphante, nous venons Seigneur t'élever pour l'œuvre de la croix, nous venons Seigneur t'exalter pour ta présence et ta puissance, merci toi qui nous guéris de toute maladie, merci toi qui nous délivres de tout problème, merci toi qui viens à notre secours, merci toi qui fais de grandes choses au milieu de nous, merci parce que tu bénis tout ton peuple Seigneur, partout où ils sont connectés, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire pour le siècle de siècle. Aucun Dieu n'est semblable à toi, aucun Seigneur n'est comme toi. Je te loue pour l'œuvre de la croix, je te loue pour les sangs immolés. Merci pour le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. C'est sang qui me délivre, qui délivre mon frère, qui délivre ma sœur. C'est sang qui confond les œuvres des ténèbres. Partout où les flèches viennent, Seigneur, toutes ces flèches sont nulles et sans effet. Partout où les attaques viennent, ces attaques sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout le travail que les hommes, que les esprits, que les démons peuvent comploter contre mon frère, contre ma sœur, reste nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je marche sur les serpents, je marche sur le scorpion, je marche sur toute œuvre du diable, je le chasse et les renvoie dans le lieu sacré au nom de Jésus-Christ. Je proclame la seigneurie de Jésus-Christ, je proclame la victoire par le sang de Jésus-Christ dans ma santé, dans mon corps, dans le ministère, dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu qui peut s'élever contre la réunion de ce soir. Je le renverse dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame Christ roi. Je proclame Christ Dieu. Je proclame Christ Seigneur dans tout le domaine de nos vies.
au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, partout où vous êtes, élevez la voix, c'est l'heure de la prière. Élève ta voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adorez-le, bien-aimé. Louez-le. Alléluia. Exaltez-le parce qu'il est bon, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il n'a point changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Adonai, merci Dieu de vie, merci Dieu de paix, merci Dieu de grâce, merci Adonai, merci le lion de la tribu de Juda, merci le Dieu Saint, merci le Dieu Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le Dieu miséricordieux, merci parce que tu as un plan merveilleux avec moi, merci parce que tu m'as délivré, merci parce que tu as combattu pour moi, merci parce que tu m'as sanctifié, merci parce que tu m'as purifié, merci pour la journée bénie, merci pour la journée de miracle, merci pour la journée de guérison, merci pour tous tes bienfaits Seigneur dans ma vie, à toi l'honneur pour le siècle de siècle, à toi la gloire pour le siècle de siècle, le plan de l'ennemi est confondu, le plan des sorciers confondu, les attaques confondues, les puissances sataniques des magies confondues, au nom de Jésus-Christ, Seigneur tu as écrasé la tête du serpent sur la croix de Golgotha, tu as détruit les plans de l'ennemi sur la croix de Golgotha, tu nous donne la victoire, à toi l'honneur, à toi la louange pour le siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ, bande kobalinga mi bandana mukobete lanzambo e maboko, banda kola mukana mabondeli, commence à te réveiller dans la prière. Commence à te réveiller dans la prière. Ton Dieu est tout-puissant. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est au-dessus de tout le nom. Ton Dieu est au-dessus de toute maladie. Ton Dieu est tout au-dessus de tous les sorciers. Je vous défie au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers tombent. Tous leurs calculs tombent. Tous leurs projets tombent. Tous leurs forces tombent. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, élevé à la droite de Dieu le Père. Toute réunion contre ta vie, toute réunion contre ma vie, au nom de Jésus-Christ, je viens paralyser, je viens détruire la tête de cette réunion. Nakangipe na bibisi misala, il y a président, il y a réunion wana. Nazo paralysé, pe nazo détruire misala naye. J'annule ses œuvres, j'annule son complot, j'annule ses projets. Au nom de Jésus-Christ, les attaques, les flèches de l'ennemi qui sont entrées dans ton corps, qui sont entrées dans mon corps en forme de maladie, au nom de Jésus-Christ, j'enlève ces flèches, je brise son pouvoir, j'anéantis ces venins dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, ba venin yabambandignonso, ba moati nanzoto na yo, oye memi mingai, oye memi maladi, tout le venin, toute le flèche des maladies qu'on a injectées dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, j'annule ces venins, j'annule son poison, j'annule sa, cette maladie, j'annule cette maladie, au nom de Jésus-Christ, le force du mal, le force des ténèbres, dans le nom de Jésus, je vous frappe d'aveuglement. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous frappe de confusion. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous frappe d'aveuglement. Je vous chasse de ma vie. Je vous renvoie dans le lieu sacré. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, la moukana babondeli, élevez ta voix, priez avec foi. Priez avec force, priez avec détermination. Mes bien-aimés, toute attaque contre ta vie, je le rends nul et sans effet. Toute attaque contre ta vie, je le brise maintenant. Toute attaque contre ta vie, je le paralyse maintenant. Tout lien qui cherche à te lier encore, je le brûle par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit méchant, les esprits d'envoûtement, les esprits des maladies, les esprits qui affaiblissent les corps, qui affaiblissent l'âme, qui affaiblissent l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je le détruis, je le brise, je le paralyse, je le chasse.
je le renvoie dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité, je m'élève contre tout esprit des sorcelleries, contre tout esprit des cimetières. Je m'élève contre leur influence, je m'élève contre leurs plans, je m'élève contre leurs projets. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu de le détruire, de le brûler, de le paralyser. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma famille, je m'élève contre tout esprit des morts, contre qui que ce soit, na kompo na Yesu, na za kote le mela mulimu na kufa, na za liko pame la yango, na kompo na Yesu, na zongi si na miska mikawuki, bibilea e lobi, nyonso na kokanga na sena moi, e kangami na likolo, nyonso na kofungola na sena moi, e fungwa me likolo, j'arrête l'esprit des morts, je le renvoie dans le lieu aride, j'ouvre l'esprit de vie, l'esprit de bonne santé, l'esprit de protection, je me lève contre tout esprit d'accident, na télémélie, minimoyab accident, au nom de Jésus-Christ, je le détruis, je le brise, je le paralyse, je l'anéantis, je le renvoie dans le lieu aride. La Bible déclare, tout ce que je lierai sur la terre est lié dans le ciel. La sorcellerie de la famille, les esprits méchants invités dans la famille pour détruire les gens, pour tuer les gens, pour amener les maladies, pour mettre les gens sur la liste. Au nom de Jésus-Christ, je déchire cette liste. Au nom de Jésus-Christ, je retire tout le nom, je retire les âmes, je retire la santé, je retire l'avenir des enfants de Dieu de cette liste. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, je te loue parce que la délivrance s'est faite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quiconque t'a lié, que ces liens soient brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ezala nanya kangakiyo, ba mignolo lomaye, ezo katanasikawa, na kompo na Jésus-Christ. Qui que ce soit qui t'a lié, qui que ce soit qui t'a possédé, les liens qui t'avaient lié, la possession qu'il avait mis sur toi, la possession de la stérilité, la possession des maladies, la possession des grippes, la possession des maux de tête, la possession des maux de ventre, au nom de Jésus-Christ, je le chasse, je le chasse, je le chasse. Je le renvoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison miracle, la délivrance dans la vie de toute personne qui est connectée en ce moment. Bien-aimé Bandako Bondela, Bandako Bondela, Kotana, Kotana, Kotana Kana Munguna, Bandako arraché, commencez à arracher ta guérison, commencez à arracher ta santé, commencez à arracher ta paix. Au nom de Jésus-Christ, tu as fait des rêves. Au loti bandoto, yabatuba koufi na famille. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête ces rêves. J'arrête ces complots. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'étale la parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui donne la santé, la parole de Dieu qui donne la force, la parole de Dieu qui amène la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu n'a point changé. Là où tu es, toi qui es connecté en ce moment, que le chêne dans ta vie tombe, que les projets des ténèbres, des esprits des maladies, des sorcelleries des familles, des sorcelleries des amis, soient tombés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quelle l'atmosphère de la vie, l'atmosphère de la protection, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de paix puisse t'entourer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle les maladies te quittent, quelle les dominations te quittent, quelle les puissances maléfiques te quittent. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier dans ta vie, puisse crier victoire. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier paix. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier la gloire de Dieu, l'élévation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est grand. Il fait de merveilles. Il fait de merveilles. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Si hier tu te sentais pas bien, si hier tu as mal rêvé, si hier
tu sentais le poids de la maladie sur toi. À partir de maintenant, le poids de la maladie est brisé. À partir de maintenant, le poids de la malédiction est détruite. À partir de maintenant, l'atmosphère des maladies, l'atmosphère des esprits des morts, l'atmosphère de la tristesse te lâche maintenant, te lâche maintenant, te lâche maintenant, te lâche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu puisse descendre dans ta maison, puisse descendre dans ta vie, puisse prendre possession de ton corps, puisse prendre possession de ton âme, puisse prendre possession de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, guéris de toute maladie, guéris de toute maladie, guéris de toute maladie, guéris de toute maladie. La Bible déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, est tombé sur Jésus. Oui, ta maladie se déplace, ta maladie se déplace et ça quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, il a donné l'intelligence aux mécaniciens pour remplacer les pièces bousillées. Zambé Nabiso, Apesa Mayele, Nava mécanicien, pour être remplacé, pièce Oye Baby. Il est Dieu, il est plus que le mécanicien. C'est lui qui a donné de l'intelligence. C'est lui qui est le vrai remplaceur de pièces bousillées, de tout ce qui est détruit dans ta vie. Il est capable de le remplacer tout dans ton corps. Christ Jésus est capable de le remplacer. La Bible l'appelle le restaurateur, le remplaceur des bonnes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, même dans ta vie, même dans ton parcours, tout ce qui dépasse, tout ce qui dérange, dans ton parcours, tout ce qui dérange tes progrès, tout ce qui dérange tes avancées, sont aujourd'hui remplacés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que le bien puisse remplacer le mal, que le bien puisse remplacer le mal, que le songe de bénédiction, que le rêve de bénédiction, que le rêve de protection puisse remplacer le rêve de trouble, le rêve de perturbation, le rêve de peur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi qui sentais la présence des maris de nuit, toi qui sentais la présence des morts, ton mari est mort, mais tu sens ta présence. Ton frère est mort, mais tu sens sa présence. Mais là maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta chambre, dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans ta maison, le feu du Saint-Esprit sur ton chemin. Que tout esprit qui t'accompagnait, tout esprit de malheur, tout esprit de blocage, tout esprit d'échec qui t'accompagnait, te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ guérit. Je loue le Seigneur qui a donné l'onction de la prière ce soir. N'attendi Nzambe. Oya kitisie pakwami. Et pakwami alibondeli. N'a pokwa nalelo. Yahweh a bon wanité. La prière change les situations. La prière transforme les choses. Makamou et bon wanakate. Et zo bon wanasikawa. Tout ce qui ne changeait pas prend maintenant une autre forme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la droite de l'Éternel donne la forme. La droite de l'Éternel te délivre. La droite de l'Éternel te sauve. La droite de l'Éternel te guérit. Car il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui change l'atmosphère. L'atmosphère de ta vie, le projet de ta vie, les avancées de ta vie, l'avenir de ta vie change avec Jésus, change avec sa puissance. Oui, la prière change les lois. Si les lois de ta famille t'est condamnée à la mort, à partir de maintenant, cette loi est changée, cette loi est bannie, cette réclamation est détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire.
Nous proclamons la victoire. Nous proclamons le progrès. Nous proclamons la santé. Nous proclamons la vie. Je proclame l'onction. L'onction du Saint-Esprit. La vie. Là où il y avait la mort. La vie. Là où il y avait la mort. La vie. Là où il y avait la mort. La vie. Là où il y avait la mort. La vie. Là où il y avait la mort. La santé. Là où il y avait la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi, qui est semblable à l'agneau de Dieu. Je te loue, Père, parce que tu as visité cette famille. Je te rends gloire, parce que tu as touché ses frères. Je t'élève, parce que tu as touché sa maison. Tu as fait descendre ta puissance pour délivrer toute cette famille. Esprit de pauvreté, esprit de célibat, esprit impur des maladies des diabètes. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai détruit à la racine. Je t'ai détruit à la racine. La racine de ta coutume, je le brûle par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de célibat puisse lâcher tes enfants. Les maladies héréditaires, le maux de tête héréditaire, les maux des dents héréditaires, le cancer héréditaire, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, je vois le feu de la parole de Dieu qui brûle à la racine toutes ces malédictions. Je proclame tout haut l'œuvre de Dieu. Je proclame tout haut la puissance du Saint-Esprit dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Yes! Alléluia! Voilà, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Qui se passe maintenant dans ta famille. Il y a quelque chose qui se passe maintenant dans ma famille. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Un mouvement qui se fait sentir par la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit marche, le camp de l'adversaire écoute le bruit de char. Voilà maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui venaient contre toi, tous ceux qui complotaient contre toi, ils écoutent maintenant le bruit de char. Ils reculent. La maladie recule. La maladie recule, le péché recule, la fatigue recule, le manque de vie de prière recule, le force du mal recule, le blocage recule, la malédiction recule. Au nom de Jésus-Christ, je crois à la puissance du Saint-Esprit, je crois à ces noms qui est au-dessus de tout le nom. La Bible déclare, afin que dans le nom de Jésus-Christ, tous les noms des maladies s'agenouillent, tous les noms des sorciers s'agenouillent. Oui, mon chemin est libre, ton chemin est libre, ta vie est libre, tes enfants sont libres. Tes nuits sont libérées. Baboutunayo et Kangolami. Baboutunayo et Kangolami. Tu ne vivras plus les nuits de la peur. Tu ne vivras plus les nuits de l'insécurité. Tu ne vivras plus les nuits des maladies. Tu ne vivras plus les nuits où tu peux voler dans la sorcellerie. Je brise dans le nom de Jésus tous les ailes que tu avais. Pour communiquer avec la sorcellerie, pour communiquer avec les esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue. Père, je te rends gloire. Merci pour ces moments bénis. Merci pour ta gloire. Merci pour ton esprit dans ma maison, dans ma femme, dans mes enfants, dans Pogoche, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ, les langues, les complots, le projet, les attentes de plusieurs personnes échouent au nom de Jésus-Christ. Échouent au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. La victoire dans le nom de Jésus-Christ. La victoire par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire. Alléluia. Oh, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire. Est-ce que quelqu'un chante? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire.
par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donnait la vie. Chantez encore, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, oh Dieu donnait la vie, toi, alléluia, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Dieu donnait la victoire. Je crois à ma victoire. L'armée de l'Éternel est descendue dans ma maison. L'armée de l'Éternel est descendue dans ta maison. Alléluia. Ma pinganayawe kitina ndakunayo. Ma pinganayawe kitina libotanayo. Les forces du mal sont en train d'être coupées. Misala nyonso oyobalona ki amabena ndakunayo. Ezo katana. Les maladies sont coupées au nom de Jésus-Christ. La stérilité est brisée au nom de Jésus-Christ. Les forces du mal est détruite au nom de Jésus-Christ. Tous les envoûtements qu'on a fait sur toi, paralysé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oyo abate l'ami, na se na emana oyo alekilikolo, abate l'ami na se na elilingi na oyo nanguya nyonso. Notre Dieu est Tout-Puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est véritablement Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous venons t'adorer, nous venons te louer, nous venons t'exalter, nous venons te rendre des infinies actions de grâce. Nul ne semblable à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantez avec moi. Gloire, gloire, alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons en nos voix pour l'adorer. L'agneau est chauve. Alléluia. Et gloire, 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 gloire à la. Okumama Yahweh, gloire. La louange brise les chaînes. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Chantons, car il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. L'agneau est souverain. La Bible déclare, si l'Éternel n'était pas mon Dieu, mon âme serait dans le séjour des morts. Voilà pourquoi la Bible dit, le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Que la vie entre dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Que la vie entre dans ton corps, que la vie entre dans tes enfants. Que la vie entre dans ta santé. Toi qui pleures, ne pleurez pas. Croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un écrit un bon Amen? Est-ce que quelqu'un écrit un bon Amen? C'est le moment. La gloire de Dieu descend dans ta maison. L'onction de Dieu descend dans ta maison. Alléluia. Rien ne restera plus la même. La puissance de Dieu, alléluia, fortifie ton corps. La puissance de Dieu brise les douleurs qui étaient dans ton corps. Brise les douleurs qui étaient dans ton corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de l'Éternel Dieu est là. L'Éternel Dieu m'a oué. L'Éternel Dieu m'a oué. Pour déclarer, pour proclamer une année de grâce, dit la parole de Dieu, une année de grâce, le mois de septembre, mois de grâce, de victoire, de guérison et de bénédiction, au nom de Jésus-Christ, mois d'octobre, un mois où tu es visité par l'amour d'aimer la parole de Dieu, d'aimer l'Église, de servir Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, au nom de Jésus-Christ, que le mois que nous commençons, tes portes soient ouvertes, tes portes soient ouvertes, tes portes soient ouvertes pour faire entrer le bénédiction de l'Éternel. Biku kenayo fungwa, ponakotika, ma pambolina yawe, kokotanakunayo. Mois d'octobre, écoutez au nom de Jésus-Christ, aucune maladie, aucun démon, aucune nouvelle des morts n'est au
monshada. To yokani na yon zambe. To tie moteme pa na yon zambe. To liki e pa na yon zambe. Ete yoko tambo la nabiso. Ete yoko zala nabiso. Moi, docteur, écoutez au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde soit en bonne santé. Toi-même, ta famille, tes enfants, ton église. Que tout le monde soit en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Esprit des morts, tu dois lâcher au nom de Jésus-Christ. Esprit des cimetières, tu dois reculer, aller dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Esprit des maris de nuit, tu dois quitter, lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Esprit d'incrédulité, tu dois lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplis les mois d'octobre. Prends possession de toutes choses. Conduis notre réveil. Conduis notre sommeil. Conduis notre temps. Que tu sois magnifié, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Béni soit le roi de gloire. Mes bien-aimés, le Seigneur Dieu a permis ce jour pour que nous puissions monter dans la prière. Zambe mutua pesibiso libako. Pour être tout kokako matama kasina le sambo na pokwa na lelo. Le sambo yabo pikiliki, la prière forte, hein, ce qu'on appelle en lingala le sambo yabo pikiliki. Alléluia. Une prière que le puissance des ténèbres recule parce que le nom qui est au-dessus de tout le nom, alléluia, est au-dessus, alléluia, de tout le nom. Le nom de Jésus-Christ est invoqué dans cette prière-là. Mes bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu. Nous louons l'éternel Dieu pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Comme je disais, aujourd'hui, je vais donner quand même un petit témoignage de mon appel à Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, il était dans les années 79, en 1979, le Seigneur m'avait visité dans un songe. En 1979, Nzambe akutaraki na ngai na ndoto. Dans ce songe-là, j'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. J'avais rêvé le retour du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Na loti kozonga na Yesu Christ. Donc, ne t'étonne pas si tu me vois beaucoup plus prêcher le message du fin des temps. Et j'aime beaucoup plus de messages prophétiques. Soki ozomona nga na katina musala oyo, ezalingaite, eza mawa oyo nzambe asalingai. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait pour m'avoir appelé dans cette œuvre, hein, la Katia Moussala Oya Kote ya Lilo Banaye. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? En 1979, quand je fais ces rêves, mon cœur en tant que petit garçon, mais qui aimait beaucoup l'affaire de Dieu depuis mon enfance, Nanazaki déjà à 3 ans, 2 ans, Nalinga qui m'a dit que je suis à 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'étais fou de Jésus. Et dans cette période-là, c'était rare de trouver un jeune s'adonner dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Mais j'étais cette personne-là. Écoutez bien, ma mère fut une sœur catholique. Maman Anga Azalaki Moniango, ma sœur. Elle était une sœur catholique, mais qui a fait banqueroute par rapport à la foi, à leur foi catholique. Akimaki Kisango, Akimaki Kinyango, Akimaki Kozala ma sœur, après, Ayeko Bota, Mandekonanga, Oeba Bota Makiliboso, et enfin, moi, je serai aussi parmi ceux-là que Dieu a prévu que Eba Tofanda Nalibumunaye. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse. J'aime bien cette dame, c'est une dame très dur dans l'éducation, très sévère dans ces choses, mais que je rends gloire à Dieu de m'avoir donné une telle maman qui a beaucoup milité, beaucoup travaillé pour mon éducation. Alors, pour ma mère, étant quelqu'un qui avait quitté le couvent, pour elle, c'était une bonne chose de trouver un de ses enfants qui aimait trop l'affaire de Dieu. Donc, maman, elle voyait déjà en moi quelqu'un qui va la remplacer comme prêtre. Donc, elle se disait toujours, moi, elle sera vraiment un prêtre dans l'avenir.
Et voilà maintenant, en 79, le Saint et le Seigneur vient me rendre visite. Je vous dis, j'étais catholique engagé, très très engagé, seulement je n'étais pas baptisé en tant que catholique parce que je me le disais toujours que je ne trouve pas ces baptêmes corrects. Mes grands frères, mes grandes sœurs sont tous baptisés, sauf moi. Moi, je disais toujours que je ne peux pas me faire baptiser et qu'après mon baptême, les gens viennent boire de l'alcool. Je vous dis, j'avais encore 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais j'avais déjà cette révélation-là que je ne pouvais pas réunir les gens pour qu'ils boivent de l'alcool et qu'ils fassent de n'importe quoi en mode, disons, derrière un événement qui me concerne. Donc, ça, c'était déjà ma façon d'être depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais tout, tout petit. Alors, ça arrivait même que quand mes frères, quand mes sœurs fêtaient leur baptême, moi, je restais hors de la parcelle. Imaginez, à ce temps-là, je n'avais pas la connaissance de Dieu, mais je ne sais pas pourquoi j'avais un tel comportement. Et je vous dis la vérité, je n'ai participé pas au repas du loco et bango balambi à la naïko liate. Donc c'était un jour qui m'est passé seulement comme ça, hors de la parcelle. Je regardais la fête de loin et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je me pose la question, mais qu'est-ce qui me prenait en ce temps-là d'avoir un tel comportement? Même mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'avais un tel comportement devant des situations qui réunissaient toute la famille. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement te dire qu'il y a des choses que tu vas faire. Si la main de l'Éternel Dieu est sur toi, même si les autres le font, même si les gens de ta génération le font, toi tu ne le feras pas. Moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, je me pose même des questions. Mais qu'est-ce qui me prenait? Mais je comprends que l'Esprit de Dieu était déjà en moi. Moli mon ensemble était déjà katinanga. Et il m'avertissait de ne pas me mêler dans l'impureté. Mes bien-aimés frères et sœurs, je continue ces courts témoignages parce que ça va t'édifier, ça va vraiment te réveiller, ça va te donner envie de servir Dieu dans toute ta vie. En 79, je viens maintenant à l'église de Dieu. Mais je vous dis qu'en ce temps-là, dans les années 79, c'était rare de voir un jeune homme de 14 ans venir dans l'église pour servir Dieu. Mais moi, j'avais tout mon cœur, 15 ans, tout mon cœur à donner à Jésus. 14 ans et demi, 15 ans. Moté manana mobima, l'ennaye panani le bananzam. À cet âge-là, j'étais déjà tout feu, tout flamme. Je commençais déjà à prêcher dans les quartiers, à prêcher dans les foules, dans les taxibus, partout, dans l'école. Je lisais la Bible. Les amis qui connaissaient que j'étais un peu un enfant aussi, comme tous les autres enfants, mais tout a changé directement. J'étais devenu radical. Pendant la récréation, moi, je lisais la Bible. Mes amis jouaient et ils ne comprenaient pas. Même mes professeurs, en ces temps, ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes, Il est si intelligent à l'école, à Samayel. Mais qu'est-ce qui lui prend le pouvoir s'adonner dans la voie de lire la parole de Dieu, d'aimer Dieu? C'est quel Dieu ça d'ailleurs? Parce qu'en ces temps-là, on connaissait que les églises salutistes, les églises catholiques, les églises protestantes, nos églises n'étaient pas connues. Même ma mère ne savait pas qu'il existait une église comme l'église des réveils. Mais voilà, le Seigneur m'a amené. Mes frères et sœurs, comment est-ce que je suis arrivé dans l'église des réveils? Tellement j'étais tout feu, tout flamme pour chercher Dieu. En ces temps-là, pendant que j'étais encore dans l'église catholique, je faisais des fois 3 messes. Je me réveille à 5 heures du matin, j'entre au premier messe, j'entre au deuxième messe, j'entre au troisième messe. Le quatrième et le cinquième, je pars peut-être à Selimba, comme j'habitais Kitambo, pour chercher là où je peux trouver ces dimanches-là, ou écouter la parole de Dieu. Donc, mes dimanches, je les passais en jeûne. Je ne mangeais pas. Je voulais tout simplement être là où la parole de Dieu est parlée. Voilà, mes frères et sœurs, comment est-ce que le Seigneur m'a conduit pendant ma jeunesse, m'a conduit pendant mon temps. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est jeune comme moi, la chair ne sert à rien. Moi aussi, j'étais jeune comme toi. Mais
j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas exercé, disons, le péché dans mon corps. Les péchés d'impudicité, les péchés d'adultère, de toutes sortes de mal, moi je ne l'ai pas fait. Je vous dis, dans la vérité, mes parents me voyaient un peu bizarre parce qu'ils se posaient la question, mais quel genre de garçon que nous avons? Mes petits frères avaient déjà des enfants. Toute la famille avait déjà des enfants. Moi, je n'avais pas d'enfants. Et il y avait des jeunes filles qui venaient même, que ma mère envoyait pour qu'ils puissent me prendre en force, essayer un peu de me bousculer. Mais elles étaient tous déçues parce que cette envie-là en moi n'existait pas. Ces trucs-là en moi n'existaient pas. Mais ça ne vibrait pas. Il n'y a que l'amour de mon Dieu, l'amour de la parole, l'amour de chanter, de battre le tam-tam qui brûlait en moi, servir mon Dieu dans l'église. Mes frères, dans les années 80, quelque chose de tragique va m'arriver. Mon père va rentrer au ciel, va rentrer auprès de Dieu. Papa Nabaye Koukoufa. Mes frères, quand mon père est mort, je me rappelle de la prière que j'ai faite. Ces jours-là, je me suis agenouillé directement. J'ai dit, Seigneur éternel Dieu, désormais c'est toi qui es devenu mon père. Yahweh Yondokomi Tatanangai. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu est très importante. J'avais 15 ans et demi en ce temps-là. J'ai fait cette alliance avec Dieu, de suivre Dieu, de croire en Dieu. Mes frères, imaginez, mon père était tout pour moi. Payer les Minerval, qu'on fout à la classe, payer les transports, ma nourriture, tout, c'était lui. Il meurt, il laisse ma mère pauvre. Mes frères, j'ai fait alliance avec Dieu en ces temps. Je m'allais te dire, j'étais dans une grande église, mais personne n'est venu me rendre visite. Moutoumouréra au tard matin. Le jour où j'avais perdu mon père, personne n'est venu me rendre visite. Mais j'ai batté le tam-tam dans l'église. J'étais quelqu'un de très connu dans l'église. Mes frères et sœurs, quand tu fais alliance avec Dieu, il ne faut pas regarder les manigances des gens. Parce que le monde peut te décevoir, mais Christ ne te décevra jamais. Mes bien-aimés frères et sœurs, après l'enterrement de mon père, je suis rentré dans l'église pour servir mon Dieu. Et je ne m'occupais de personne. Je ne regardais pas les pasteurs. Je ne regardais pas est-ce que les pasteurs m'aiment. Je ne regardais pas tout ça. J'aimais la prière. Je fus un jeune qui aimait la prière. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a déversé l'onction de la prière en moi. Mes frères, Dieu a commencé à bénir ma famille par moi. Dans les années 81, le Saint-Esprit de Dieu me parlera dans une vision claire que je dois partir au Congo-Brazzaville pour annoncer la bonne nouvelle. Mes bien-aimés, en 81, 16 ans et demi, ça c'est la première mission évangélique que nous avons faite. En ces temps-là, au Congo-Brazzaville, il n'y avait pas encore des églises. Natangwana na Congo-Brazzaville, nano église de réveil et picamité. Nous sommes les premiers pionniers. Vous pouvez poser la question à l'apôtre Bouka Joseph. C'est lui, aujourd'hui, disons, le père de la foi au Congo-Brazzaville. Vous lui poserez la question. Vous lui poserez, est-ce que vous connaissez frère Nganga Noël Missia? Il te dira, je connais bien ce petit homme qui a inauguré l'évangélisation de la rue pour Namutunayaka Penda Kobana Moussala et Sangoumala Mouna Balabal na Congo Brazzaville dans les années 81. Mes bien-aimés, à mon retour, Dieu m'avait richement béni. Ce que Dieu m'avait donné en ces temps-là, si je le convertis, ça peut faire plus ou moins 50 000 dollars. J'ai amené ça dans ma famille. Et c'est là où ma famille a pris de l'élan. Et la bénédiction est rentrée dans ma famille. Je vais continuer mon témoignage. C'est très important parce que je sais que ça va édifier quelqu'un. Faites une alliance avec Dieu. Tu es dans une église. Faites alliance avec Dieu. Regardez le Seigneur. Servez le Seigneur.
Le pasteur t'aime, le pasteur ne t'aime pas, les gens te rendent visite, les gens ne te rendent pas visite. Servez l'Éternel, conserve ton appel, l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous rencontrerai aussi. Comment est-ce que le Saint-Esprit était descendu sur moi? J'avais soif de Dieu. J'avais soif de connaître Dieu. Je me rappelle ce jour-là, le premier jour quand je suis entré dans l'église des réveils. Le deuxième, c'était dans Zambé Malam, avec notre feu pasteur Aïdine Abala, notre feu pasteur Maman Toumba Chaoumba, avec le pasteur Chibambe et consort. Mais bien aimé, ces jours-là, je me rappelle, Maman Toumba avait dit seulement, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mes frères, je suis rentré troublé chez moi à la maison. Donc moi, en tant que serviteur de Dieu, j'aime Dieu, je prie, j'ai les chapelets, j'ai tout, mais je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Mais quand il parle de l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi au juste? Je suis rentré dans mon église, mais le mardi, je suis revenu dans cette église. Quand il chantait « Tatanzambe, Memangaina, Likolo », le Saint-Esprit est descendu sur moi. Mes frères, je me rappelle encore ce jour-là. On a prié. J'entendais des voix. Je voyais des visions. J'avais jamais parlé Swahili dans ma vie. Mais c'est ce jour-là que j'ai connu qu'il existe une langue Swahili. Et j'en ai parlé prophétiquement en donnant beaucoup de messages à l'église. Et comme l'église était pleine de Swahili et pleine de Baluba, vous connaissez les Baluba et les Swahili, ils parlent bien, pratiquement le même langage. Tout le monde comprenait. Et c'est là où mes pasteurs ont commencé à avoir l'œil sur moi, m'encadrer, m'aimer dans l'Évangile. Mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Ce que je voulais tout simplement te dire, faites une alliance avec le Seigneur. Mon témoignage peut t'amener à aimer Dieu. Mon témoignage peut t'amener à exploser dans la foi. Mon témoignage peut t'amener à la délivrance de ta famille. Ma famille était une famille pauvre, possédée des démons, possédée des maladies, possédée... Non, une famille, tu ne peux pas regarder comme ça. Parce que tu vois, comme tu viens regarder ma famille, tu vois vraiment que non. Mais mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit était descendu sur moi, je rentre chez nous à la maison. Toute la nuit, j'ai parlé en langue. Toute la nuit, je dormais, mais je parlais en langue. Je dormais, mais l'Esprit priait à moi. Ma mère m'a toujours dit, je retiens toujours le témoignage de ma mère, il a dit, elle voulait me toucher, mais elle sentait qu'entre elle, entre sa main et moi, il y avait une personne. Maman, on peut appeler ça un témoignage, on a dit, aïe, ça, on a dit, tango au bon mouli mouté, mais l'aïe mouli mouna zambé kitikati na yo. Na moutou, batouye sou malali, yo la la kate, yo luma, o sambe la kaka. Mais moi, j'ai dormi. Mais ma mère dit, moi, j'ai prié. Il dit, maman, moi, je dors. Il dit, non, tu priais. Il dit, mais je voulais te réveiller. Mais je sentais qu'il y avait une présence entre ma main et toi. Mes bien-aimés frères, notre Dieu est vivant. Mon frère qui tombait chaque minuit de l'épilepsie. L'épilepsie est sortie de notre famille. La pauvreté est sortie de notre famille. Les maladies sorties de nos familles, les célibats sortis de notre famille, tous les problèmes, tous les envoûtements qui étaient dans la famille est parti, mes frères. Notre Dieu est grand. Dieu t'a appelé, tu as un plan avec Dieu. Dieu a un plan avec toi. Dieu t'a appelé, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous avons beaucoup prié aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour ces moments. Notre Père et notre Dieu. Reçois l'adoration, la louange et la gloire pour tous les merveilles, Seigneur, que tu fais au milieu de nous. Seigneur, aide mon frère à faire alliance avec toi. À partir au travers de lui, sa famille sera délivrée. Au travers de lui, sa famille sera guérie. Au travers de lui, sa famille sera bénie. Au travers de tes prières, au travers de ta foi, au travers, alléluia, de l'alliance que tu fais avec le Seigneur, quelque chose se passe, quelque chose arrive. Oui, mes enfants sont d'office bénis parce qu'ils sont dans cette alliance.
ceux-là qui prient avec moi, ils sont d'avance bénis parce que vous entrez aussi dans cette alliance. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun malheur, qu'aucun envoûtement, qu'aucune malédiction ne règne encore sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que vos voies soient prospères, que mes enfants soient prospères, que ma maison soit prospère, que Pogo soit prospère, que tu sois prospère, que tu ailles de l'avant. Dans la foi, dans la crainte de Dieu, connaissant ton identité, la justification que tu as reçue, l'adoption que tu as reçue des dieux, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous crions tous Amen. Alléluia. Nous disons tous Amen. Soyez richement bénis ce soir. Soyez richement bénis. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos. Répétez ces vidéos 5, 10, 15, 20 fois. Elle est très riche en prière, très riche en parole, très riche en témoignage. L'alliance d'un homme. Alléluia. Dieu cherche un homme qui va bander, qui va réparer tous ces murs qui étaient brisés, qui étaient renversés. Nzambazo Luka, nani oyo akobongisa kotonga lisusu ba mur nyonso oyo ebukanaki bukanaki na kati ya famille, na église, na quartier. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. Merci encore à tous les serviteurs, à toutes les servantes. Mon numéro de téléphone est là. N'hésitez pas à m'appeler. Je ne suis plus trop lié au travail comme avant. Donc, à partir de cette semaine, les choses commencent à s'alléger petit à petit. Donc, tu peux m'appeler, on peut prier ensemble. Que le Seigneur soit loué. Une très, très bonne nuit en compagnie des anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action des grâces. Amen, 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 amen. Alléluia. Des grâces. Amen, 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 amen. Alléluia.